Attention, peuple de Dieu et bien-aimé brebis du Seigneur Jésus-Christ, car la bergerie est infiltrée. Fais ce qu'on te dit de faire. Je dis, prenez une photo de vous. C'est moi là, c'est moi. Et qui suis une photo de toi? Si tu n'as pas de photo, pardon. Demain, tire une de tes photos, mais va prendre une photo. Nous avons 5 jours devant nous, jusqu'au dimanche. On saura si je suis prophète ou pas. Derrière la photo, écris 3 sujets de prière. 1, 2, 3, 1, tu veux quoi? Si c'est enfant. 2, tu veux quoi? Peut-être travail. 3, tu veux quoi? Miracle financier. Tu écris les 3 sujets. Faut pas mettre 4, tu gardes. Tous les soirs, quand je dis faisons la prière, mets ça devant toi. Et fais la prière. Le dimanche, prends une bouteille de lait. Mets la photo à l'intérieur de la bouteille de lait. Secoue la bouteille de lait. Renverse la bouteille de lait soit dans ta baignoire, soit dans un seau d'eau. Verse de l'eau tiède. Prends cette eau, lave-toi. Lundi, si moi, tu n'as pas vu ton miracle, partout tu me tombes, gifle-moi. Dès que tu me rencontres, tu me chiffres correctement. Mais tu dois faire cette action prophétique rapidement. Ta photo, 3 sujets de prière. Dimanche, aux environs de minuit, chez toi, tu mets dans une bouteille de lait. Tu renverses dans de l'eau tiède. Tu prends cette eau, tu te laves. Tu entreras dans la saison du lait et du miel. Quelqu'un me dit amen, je commence à accélérer. Ou cette pratique, qui s'apparente au mysticisme hindou, est-elle écrite dans les Saintes Écritures? Analysons ensemble les secrets cachés derrière cet envoûtement mystique de masse. Le dimanche, prends une bouteille de lait. Mets la photo à l'intérieur de la bouteille de lait. Bien-aimés de Dieu, ne vous y trompez pas. Une photo dans une bouteille, peu importe son contenu, a toujours été une pratique d'envoûtement spirituel et rien d'autre. L'inscription en anglais à la droite de l'écran Witch Spell Bottle signifie bouteille d'envoûtement de sorcier. Ensemble, un exemple d'envoûtement en sorcellerie similaire avec une adepte de vaudou. Cette semaine, astuce vaudou. Cette semaine, apprenez un petit tour de houdou. Vous écrivez à 3 reprises au même niveau le nom de votre chéri sur la feuille à l'horizontale. Puis vous écrivez à la verticale votre nom. En même temps, à 3 reprises, par-dessus le nom de votre chéri qui est écrit à la verticale. Et ça doit donner ça. Derrière la photo, écrit 3 sujets de prière. 1, 2, 3. Derrière la photo, écrit 3 sujets de prière. 1, 2, 3. 1, tu veux quoi? Si c'est enfant. 2, tu veux quoi? Peut-être travail. 3, tu veux quoi? Miracle financier. Tu écris les 3 sujets. Faut pas mettre 4. Tu gardes. Vous ajoutez quel type d'amour vous souhaitez, puis vous pliez le papier du haut vers le bas en deux, voilà, comme ceci. Ensuite, vous le tournez vers la droite, vous le repliez en deux, vous le retournez vers la droite une troisième fois, et vous le pliez à nouveau en supposé dans l'assiette blanche. Tous les soirs. Quand je dis faisons la prière, mets ça devant toi et fais la prière. Nous sommes à proximité d'Abomey, une des cités historiques de l'ancien Dahomey, aujourd'hui le Bénin. C'est ici, sur ces lieux mêmes, qu'au XVIIe siècle va se forger une nouvelle religion, le vaudou. C'est à ce voyage que je vous convie aujourd'hui. Je suis avec Franck et Constant, sur un marché hors du commun.
Il y a une odeur très particulière quand même. Hein. C'est... Oui, bah, ça sent la charogne. Ça, oui. Un lieu secret, à l'écart des routes, réservé uniquement aux prêtres vaudous et aux initiés. Crânes d'animaux, ossements divers, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudous. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires aux rituels, aux cérémonies et aux envoûtements. Et puis il y a... Alors ça c'est bizarre, ça c'est vraiment bizarre. C'est une gourde avec une croix d'un côté, une croix de l'autre côté. Déjà je sais pas du tout comment elle a été rentrée par le goulot. C'est ça, c'est un mystère. Un mystère. Ils ne vont jamais vous expliquer jamais. Ça. Et pourquoi le Christ? Enfin on est dans le vaudou, on utilise une croix. Comment ça se fait? En fait, pour nous, là, tout ce qu'il y a ici, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Fa. Demain, vous n'avez rien à utiliser. Mais le vendredi, pour tous ceux qui n'ont pas le sel d'Israël, vous m'amenez un message vocal pour dire, mon général, comment obtenir le kit complet d'Israël? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le kit complet. Prenons un simple exemple. Il y a des personnes souvent qui vont faire des affaires, mais qui ne savent pas qu'ils doivent avoir le miel d'Israël. Voici le miel d'Israël. Quand tu vas parler business, ou bien quand tu vas prendre le soin de faire l'amour à ton mari, pour que quand tu lui demandes quelque chose, il te dit, c'est le secret des juifs. Tu mets ton doigt, tu mets le miel dans ta bouche. Et tu vas faire des choses. Il y a des secrets extrêmement dangereux. Quand on va dire, non, c'est du fétichisme. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, laissez-moi garder mes fétiches et puis moi, si je vais réussir. Ce n'est pas bête! Donc, laissez-moi garder mes fétiches et puis moi, si je vais réussir. Donc, pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Fa. À présent, visionnons ensemble un exemple d'envoûtement en sorcellerie similaire. Avec cette fois, comme victime, un jeune gagnant, envoûté, au moyen de sa propre photo, dans une bouteille, avec un crucifix. Inscription en anglais, en titre de la page, Voodoo, Bottle, Spell, signifie bouteille d'envoûtement de vaudou. Que Dieu fasse dans vos vies. Prenez une photo. Je vous en supplie. Si vous faites ce que je vous dis, oh Seigneur, tous ceux qui vont faire ce que je dis aujourd'hui même, commence à les bénir. Écrivez trois sujets de prière sur la photo. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie? Prenez le soin de garder cela avec vous. Et le dimanche, mettez la photo dans une bouteille de lait. Secouez, renversez ça dans de l'eau ou votre baignoire. Mettez de l'eau tiède. Rincez-vous avec. Après 10 à 15 minutes, quand ça commence à coller sur vous, vous rincez. Le lundi, vous allez en m'envoyer un message pour dire, mon général, ma vie a changé. Écrivez trois sujets de prière sur la photo. Tu écris les trois sujets. Il ne faut pas mettre quatre. Écrivez trois sujets de prière sur la photo. Écrivez trois sujets. Et pourquoi la photo dans une bouteille de lait et non un autre liquide? Quelle est donc la formule mystique et spirituelle du lait? Thank you.
Nous lisons Shakti. Notez bien, ce symbole est un signe de la sorcellerie, de la magie, du vaudou, en un mot, de l'occultisme démoniaque. Et qui est donc cette Shakti, nom qui se cache derrière ce bain spirituel, olé. Shakti est une soi-disante divinité, voire un démon hindou qui se cache derrière tout bain spirituel, olé. Elle est représentée avec plusieurs membres qui seraient signes de prospérité, avec un serpent sur l'épaule gauche. Elle est comme un couteau à double tranchant, avec un côté qui serait source d'enrichissement. Et cela s'explique par les nombreux bijoux dorés, avec une vache qui symbolise le lait et donc la croissance. Et cela sous la supervision du serpent qui est pendu à son épaule. Et enfin, nous avons un autre côté, cette fois, avec un lion, qui serait symbole d'autorité et de destruction. Cependant, que ce soit le côté avec le serpent ou l'autre côté avec le lion, nous pouvons conclure qu'aucune bénédiction authentique et permanente ne peut sortir d'un démon. Et donc, du diable, fut-il à partir d'un rituel de bain de lait. Car, selon la sainte parole de Dieu, en son livre de Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Un dernier détail révélateur. Ce site occulte recommande que le bain spirituel dédié au démon hindou, Shakti, soit pratiqué entre 23h30 et minuit. Et cela, comme nous pouvons le constater à l'écran. À présent, écoutons notre prédicateur du jour, pour voir s'il recommande un cadre temporel différent. Mais tu dois faire cette action prophétique rapidement. Ta photo, trois sujets de prière, dimanche aux environs de minuit chez toi. Aux environs de minuit chez toi. Aux environs de minuit chez toi. Tu mets dans une bouteille de lait. Tu renveilles dans de l'eau tiède. Tu prends cette eau, tu te laves. Tu entreras dans la saison du lait et du miel. Quelqu'un me dit amen, je commence à accélérer. Le pèlerinage en Israël aura lieu du 24 août au 1er septembre. Déjà maintenant, nous avons près de 70 personnes qui nous ont amené leurs photos, qui ont amené leur sujet de prière pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de bâtir leur alliance avec Israël. Je vais vous dire une chose. Il sera vraiment avantageux pour toutes les personnes qui me suivent de bâtir votre alliance avant le vendredi. Pourquoi? Quand un père parle, les enfants vont peut-être dire non, comme j'ai fait l'année passée, cette année je ne le fais pas. Moi cette année je le fais trois fois. En janvier j'ai donné 15 000 euros. En juin j'ai donné encore 15 000 euros. Là je vais donner encore 12 000 euros pour semer mon alliance. Pour que mes affaires et mes entreprises marchent.
Si je suis béni, c'est à cause de mon alliance. Vous voulez que les miracles s'opèrent dans votre vie pendant ces 5 jours de jeûne. Le seul sacrifice que vous pouvez faire, c'est de bâtir une alliance. Quelqu'un me dit, parce que je n'ai pas, bats-toi! Le miracle ne se donne pas à des personnes qui sont fermées aux violents. Mon numéro de téléphone, c'est le WhatsApp, c'est le 00225-93-59. Vous me contactez via WhatsApp. Toutes vos photos, on va les prendre. Allez au mur de lamentation. Vous allez voir cela en direct. Où on est en train de prier pour vous. Pour que les choses qui n'ont jamais eu dans votre vie s'accomplissent. Tu dois poser des actions pour précipiter ton miracle. Toutes les personnes qui, avant le samedi, plutôt avant le dimanche, vont bâtir leur alliance. De façon spéciale, je vais dresser votre liste. Mettre ça dans ma bouteille de vin sacré. 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 Et parler à Dieu en direct de vous. Je vais prier pour vous en direct ici. Je comprends. Pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Fa. Plus grave, la méchanceté est poussée plus loin en demandant à ses suiveurs de partager cette séance d'occultisme afin d'envoûter un plus grand nombre de victimes. Tous ceux qui sont connectés ce soir, vous avez un seul objectif. Obtenir le miracle de Dieu, on s'en fout du reste. Obtenir le miracle de Dieu, on s'en fout du reste. Obtenir le miracle de Dieu, on s'en fout du reste.